actuellement, nous encadrons un stage de survie temps froid. Il s'adresse déjà à tous les pilotes, que ce soit pilote d'hélicoptère, pilote de transport ou pilote de chasse, qui pourraient rencontrer une avarie ou un problème moteur ou quoi que ce soit au-dessus d'un massif montagneux. Et le but pour nous, eh bien, c'est d'enseigner comment se préserver et comment survivre à minima une nuit, voire deux nuits, jusqu'à l'arrivée des secours avec le matériel qu'ils ont sur eux. Le stage est scindé en deux phases. Une phase théorique qui dure deux jours et une phase pratique, donc qui dure une journée et une nuit. Le premier jour, c'est essentiellement de la théorie et beaucoup de briefing. Et ensuite, l'après-midi, bien, pour tout le monde, on va confectionner ce qu'on appelle une raquette de fortune pour voir que ça marche et pour voir que c'est utile lorsqu'il y a une grosse épaisseur de neige. Le deuxième jour, on va se déplacer sur la zone, on va utiliser sa raquette de fortune et ensuite, eh bien, on va apprendre à faire du feu sur la neige, à récolter de l'eau et on va leur montrer tous les types d'abris qui puissent exister, que ce soit un Quincy, un abri bâche, un peu plus abri type urgence, et puis un abri type avec parachute pour les pilotes de chasse qui utiliseront aussi leur canot de sauvetage et leur parachute pour se protéger des intempéries éventuelles. Et le dernier jour, donc le troisième jour, eh bien c'est application de tout ce qu'ils ont vu durant les deux premiers jours en passant une nuit sur le terrain. Actuellement, on est en équipage transport, c'est-à-dire que là, on est trois et on simule donc le crash de notre avion dans zone froide. Respecter les quatre principes fondamentaux de la survie qui sont d'abord se protéger, ensuite se signaler, puis s'hydrater et enfin se nourrir qui vient en dernier. Voilà, on a fini notre Quincy. Voilà, donc on va dormir collés les uns aux autres et on espère avoir chaud. Là, il est 5h du matin, les instructeurs sont venus nous réveiller. C'est la fin de la survie pour nous. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à ranger le matériel. Et ensuite, ce sera la fin du stage survie en temps froid.